Je m'appelle Julien Paris, je suis président de l'association Grandissons Ensemble. On est sur un thème, l'accueil des réfugiés. Nous, notre association Grandissons Ensemble, on veut toujours présenter les choses du bon côté. Ce qu'on veut faire ressortir, c'est la joie, la bonne humeur, ce moment de cohésion sociale et ce moment de vivre ensemble. C'est des moments de bonne humeur, des moments de joie, des sourires, des bons moments. Ici, on est dans l'espace aire de jeu et l'espace jeu en bois. Et donc, on a des jeux en bois qui sont à disposition des gens. Et les gens viennent librement, petits, grands. L'avantage des jeux en bois, c'est que c'est des jeux familiaux. Et c'est rare les moments où on peut avoir des familles ensemble, des parents et des enfants qui puissent jouer ensemble. Et ce moment-là, ben, c'est celui-là de cet après-midi. Alors aujourd'hui avec Shiggy, donc on représente Best Training, on est partenaire avec Grandissons Ensemble et on va animer le parcours bien-être. Donc ça sera au bois de Boulogne juste à côté. Je m'appelle Elias, un réfugié qui vient d'Afghanistan et 22 ans. Ça fait 2 ans et demi que je suis en France. Aujourd'hui c'est le 19, le jour de réfugiés dans le monde entier. On a fait un exercice sportif. C'est très bien passé, un peu fatigué, mais ça va aller. Il y a pas mal d'activités, il y en a plein d'activités intéressantes que je voulais faire cet après-midi. Ouais, je m'appelle Nyangane Madidi, je suis malien, je suis là depuis 2018. C'était bien passé, et ça fait longtemps que je n'ai pas fait des sports, mais c'était bien passé quand même. Voilà, je crois que je pourrai continuer comme ça. Je m'appelle Aïs de mon pseudo et Isolt Digan. Je suis artiste street art. La série Impress, en fait, c'est comment valoriser le patrimoine de ces femmes à travers le monde qui témoignent à travers les ornements de tête de leur histoire, de ce qu'elles sont. Et en fait, les bijoux et ce qu'on retrouve justement sur ces femmes, c'est quelque chose d'universel finalement. Des chercheurs volontaires pour les aider. Alors, on parlait d'école, on parlait d'éducation. Découvrir la société française en vous emmenant dans mon cadre de vie. L'intérêt de la jeunesse pour le service civique et pour accompagner des migrants en France. Et qu'on est tous ensemble. Je suis ni de l'Ouest, ni de l'Est. Il y a pas de frontières dans mon corps. Merci à vous, merci aux artistes, merci à tout le monde. Et ça, pour moi, c'est un espoir. Et j'espère que cet espoir-là va continuer pour toujours, accueillir l'autre sans l'indifférence, sans problème. Et j'espère aussi qu'il y aura la paix dans le monde. Une journée comme aujourd'hui nous montre qu'il y a de l'espoir et c'est avant tout une journée ben voilà, joyeuse, belle et pleine de bonnes vibes. En tout cas, que ce soit africain ou une autre nationalité, on est ensemble aujourd'hui, ça c'est le plus important. Je suis content d'être ici. Est-ce que vous allez bien? J'évoque plusieurs thématiques. Voilà, je vais vous interpréter 3 morceaux aujourd'hui qui font partie de l'album. Et j'espère vous entendre de vive voix avec moi. Viens, Raphaël est là. On est ensemble. Merci à vous. La journée d'aujourd'hui, elle avait pour objectif de rassembler, de mélanger les gens. Nous, dans notre association, on milite pour le vivre ensemble, l'intérêt collectif et la cohésion sociale. Donc c'était à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. C'était une belle occasion de se rassembler dans cette belle fondation Good Planet qui, elle, milite pour l'environnement principalement. Et donc du coup, concilier l'intérêt de l'homme avec l'intérêt de la planète, pour nous, ça a du sens.